5 à Vegas, il est 7h10, on vient de se réveiller tôt parce que moi j'ai un peu mal à la gorge, mais là on s'est réveillé tôt parce qu'on va partir, on va prendre la route pour aller au Grand Canyon, donc on va se préparer et on va partir, on a décidé de partir tôt, donc on s'est couché tôt hier soir. C'est parti, on va se préparer. Bon, on vient de se préparer, mais avant de prendre la route, on va se faire un petit déjeuner avec des Lucky Charms dans nos gros bols. C'est parti. Et ouais, on a notre sac de prêt et tout, on a pris nos caméras, des provisions bien sûr pour la route, de l'eau, des barres de céréales, des chips. Donc voilà quoi, on se prépare. Bon, ça y est, on est prête à partir. Ouais, c'est parti pour le Grand Canyon. On a de la route à faire, cauchemar pour nous, mais bon, pas le choix. C'est parti. Il fait grave du vent aujourd'hui. Ils ont dit à la météo qu'il y aurait du vent. Ouais. Vous avez spécial ça encore. Il y a du vent et c'est couvert, mais bon, au moins ça sera pas la chaleur quoi. Donc voilà, on a toutes nos affaires. Tout est prêt. Vu qu'on va filmer là-bas, il faut qu'on prenne le gros sac, le trépied. T'as la caméra? La caméra elle est dedans? Ouais, vérifie, double check, normalement elle est dedans. Ouais. On a les chapeaux, enfin bon, vous verrez la vidéo. C'est parti, on quitte le parking de l'hôtel, on prend la route. Donc on a installé le GPS et tout ça, ça devrait nous prendre à peu près 2h, 2h15 quoi. C'est parti, 2h20, 2h30, 2h30, ouais, 2h30, ça devrait nous prendre 2h30, donc voilà quoi. On est toujours en route là et on profite du paysage parce que vraiment le paysage est vraiment joli quoi. Ah putain, arrêtez d'écouter la main. Bon là on vient de s'arrêter, donc ça c'est le Black Canyon. Voilà, le Black Canyon. Et les Indiens qui ont leur bijoux. Il y a beaucoup de vent sur la route, donc du coup la voiture bouge un petit peu. On a repris la route, on a acheté des petits souvenirs aux Indiens qui vendaient des espèces de petits bijoux, des petits attrapeurs de rêves et tout ça. Donc là on a repris la route et il y a beaucoup de vent, donc bon, tranquille ou quoi? Il faudrait peut-être tout face à face quoi.
Bon, là on vient de s'arrêter parce qu'on va filmer un bout du lookbook à Nabila. Donc on s'est arrêté au bord de la route. Yeah. Tu quoi? On s'est arrêté au bord de la route. Il y a pas un chat. Arrêtez d'être dans le trou. On est vraiment dans le trou du cul du monde. Dans le désert, il y a pas une boutique à l'horizon, quoi. Pas qu'il nous arrive une merde. Donc voilà. Behind the scene, le lookbook. J'ai des cactus dans les pieds. Des cactus sous les pieds. Cauchemar pour elle. Pour faire un lookbook de Shakira, mais. Pour faire un lookbook de Shakira, faut arrêter de souffrir, quoi. Ah, vous avez intérêt de le regarder, ce putain de. J'espère qu'il va vous plaire, ce putain de lookbook, parce qu'on a chié. Hein. On a chié à le filmer. Je suis là pour toi. Il n'y a personne au beau. On est au milieu d'une route déserte, c'est improbable. Il fait hyper chaud. Mais bon, c'est cool. Est-ce qu'on en parle? Attends, est-ce qu'on en parle qu'elle a plein d'épines de cactus sous les pieds? Cauchemar pour elle. C'est improbable ton truc là. Tu veux la pince épilée? Ah non, parce que tu vas les pousser dedans. Tu veux la pince épilée ou pas? Bah non, ça va rien changer. C'est pas gros. Non, mais là, c'est gros, je veux dire. Ok, mais tire-les bien, faut pas pousser. Hein. Mais je pousse pas. Canyon en face de nous, on arrive. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Donc là, on vient de se garer sur le parking juste en face. Et on est en train de se changer dans la voiture. Yasmina est en train de se changer dans la voiture. Cauchemar pour moi. Parce que bah, bien sûr, on fait pas les choses à moitié. Donc on a décidé de faire une grosse vidéo au Grand Canyon. Ouais. Donc un gros get ready with us au Grand Canyon. Vas-y, attends. Tourne la caméra dans le sens. Donc c'est bon, je te vois. Non. Et donc voilà quoi. On change, on embarque nos sacs et c'est parti. Et il y a beaucoup de vent là, donc un peu bizarre quoi. Let's go. Et on va aller acheter des tickets parce qu'il faut des tickets pour pouvoir rentrer dans le domaine. Carré. On a le mot cowboy. C'est improbable nos conneries. Ouais. On est chargé. On est chargé comme. T'as pris le trépied? Ouais. On est chargé comme des bourriques. Et en plus de ça, on a un mot cowboy. Tout le monde est en mode sport et tout, et nous on est là avec. Mais bon, j'espère que ça va vous plaire. Oh, bébé. Donc là, on va payer les tickets. Il y a du monde. On est dans la réserve des Walupai, meaning. Donc c'est une réserve indienne. On a laissé la voiture sur le parking, donc là faut prendre un bus pour qu'il nous amène au view, enfin au viewpoint. Il y a plusieurs viewpoints. Thank you. Faut arrêter d'être en mode cowboy dans le bus.
Je parle pour nous. Ça va, il fait pas trop chaud en fait, donc c'est cool là. Des photos et tout ça, et on a récupéré un autre bus pour aller à un autre point de visite en fait. Ouais, qui doit être un peu plus grand. Ouais, apparemment plus grand. Ouais, là il y a du monde et on n'arrive pas à filmer. Tout le monde veut prendre des photos tous les tours et donc. Ouais, on va aller voir ailleurs. Ouais. C'est parti. On est en train de filmer notre Get Ready With Us au Grand Canyon. Donc on n'en peut plus parce qu'on se maquille, on se change, on fait n'importe quoi là en fait. Et il y a un gros vent de malade avec plein de poussière, donc le truc c'est ingérable. Donc voilà, on espère vraiment que le résultat sera bien et que ça vous plaira quoi. Ça dit quoi? Ça dit que je peux plus voir. On a un peu plus, on a vraiment hâte de finir et de pouvoir vraiment profiter du Grand Canyon quoi, se poser et tout ça quoi. Parce que là c'est pas du tout gérable. Bon allez, on finit. Ok, bon. Là on est au ranch. On va voir ce qui se passe. Par ici. On dirait vraiment en mode western. Hein. Il y a même une prison. Ok. We do have horseback rides, wagon rides at the far end of the town. We got cowboy games throughout the town. Ok. C'est un cowboy lui. Un vrai cowboy. Now remember, folks, don't wear horizontal stripes if you're going to be walking into an old west town. Really? I'm one of the easy marks. Y'all enjoy. Can I take a picture of you? Sure. Thank you. Say hello to France. You're from France, huh? Yes. Yeah. Thank y'all for coming down this way. You're welcome. Thank you. Regardez.
qu'il y a des banques, restaurants, magiciens. Donc voilà, c'est sympa, c'est bien fait. Cauchemar pour elle. Bah oui. Et là, il y a un gros bulldog où on monte dessus et il bouge. Un gros taureau. Là, il y a un gros taureau. Ah, il y a un gros lasso là. Bon, ça y est, on a poussé encore. Nabila se tape le retour, je m'en pour elle. Et ouais, c'est parti. C'est parti. On a passé une bonne journée, mais on est fatigué. Hein. Ouais, c'est fatigué, c'est quand même. On rentre à Vegas.